Allez go. Bon, pour cette fois, à partir de maintenant, on va se concentrer que sur les principales parce que il y aura Star Wars qui va pas tarder à sortir et j'aimerais bien le faire. Donc voilà. Qui veut qu'on aille en bas? On va pas faire ça tout de suite parce que j'ai une livraison juste à côté. Là-bas. On va aller la livrer. Ça donne pas envie. J'appelle Sam. Ok, ok, il est par là-bas. Merde. Eh ben, monte-le le caillou. Oh là là. Là-bas, je vois une antenne, je crois que c'est là-bas. Putain de merde, il s'est mis le truc au plein milieu des rochers. Oh lol, oh lol, lol, lol. En même temps, on cherche un peu la merde, après je suis venu avec la mouche. Merci. Hey, il met un téléphone. Livraison. Qu'est-ce qu'on a là? Une livraison? Pour moi? Oula, ce serait pas un djihadiste ça? C'est en parfait état. Excellent travail. Nice, on a une première étoile. Et ça nous rapporte rien. Ok, non, tant pis. Ah, le fameux réseau chiral. Je suis d'accord pour un galop d'essai. Mais seulement le réseau. Les UCA, c'est encore autre chose. Alors, vous pouvez me connecter, c'est ça? Bon bah très bien, allez-y. Nice. Intéressant. Je vais encore réfléchir un peu à cette histoire du CA. J'ai quelque chose pour vous. En gage de reconnaissance. Maman, la beubare qu'il a. J'insiste. Le réalisateur souhaite vous exprimer sa gratitude. Ben merci Kojima. Au revoir Sam Bridges. Merci. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez. Non.
Non, je peux pas les accepter. Oh putain, 522 kilos. Oh, putain, il a des choses à dire lui. Ah putain, il a bien joué le gars, il a mis un bon. Oh non. Là, j'en ai. Il a géré. Hop. Je voulais lui mettre un like, mais bon, tant pis. J'ai juste aller recharger mon truc là. Et le ferrailleur, il a une livraison d'une centaine de kilos. Hein, quand, ok, on va l'accepter. 110 kilos. Bon, allez, hop. Je comprends pas. Commande attribuée. D'accord. J'ai l'impression que la moto peut aller en bas. Ah, collecter vieux composants. Ah d'accord. Et allez, oh lolo, comparaison. Et ah oui, c'est une ancienne ville, il y a eu un cratère là, non? Oui, c'est la ville relais du sud, c'est vrai. Et je crois qu'il y aura des... C'était obligé. Je vais la laisser là. On va continuer comme ça. Là. Le composant. Ah oui, il y en a un petit peu partout. Mais déjà là. Ça fait 10 kilos. Je crois qu'il a fait exprès de nous envoyer ici pour qu'on se fasse tuer.
Et avec les caisses là, j'arrive pas à voir vers où il tourne le bras. C'est bon? Oula! Attendez, c'est fini? Non. Ah, je peux rentrer, mais disons qu'on va faire un petit peu plus. Allez, soyons fous. Commence la ruine que c'est ici. Ah bah on en a deux. 90, ça nous fera 100 avec les deux là-bas. Ok. Il y en a une autre par là. Oula, oula, j'ai dessus. Il est juste ici quoi, il se fout de ma gueule. Ah merde, j'ai pas de... Merde. Elle est là, oh non non. On est tant qu'à faire. Hein. Allez, go. Et on l'a fait à l'aller, on peut le faire au retour. Faut juste pas que je me rache la gueule. Allez, allez. Hop, 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 hop. Discrétos. Il manque un. Là-bas. Faire tomber les colis là. Quoi que. Non, c'est bon. C'est ça la fou. Donc on s'en éloigne. J'ai envie de sprinter tellement que j'en ai marre de cette peur au ventre. Ah merde. Ah oui, ok, bon, ok, on va la refaire. Quoi. Oh
lolo Sam. Et voilà, ça nous fait 100. 10. On avait un petit passage par là. On se barre. Je suis content, j'ai pas eu à jeter une seule goutte de sang. Enfin, en même temps, j'en ai pas donc. Pas déconner non plus. Par là que je suis venu? Je me rappelle plus. Ouais. Putain, les cristaux Kiro, il y en a là. Je me tire. Nice. Ok, ça, ça fait plaisir. C'est bien parce que... Et ma moto, elle est où? Je me souviens plus, je l'avais pas laissé par là-bas. Bah si. Elle est là-bas. Oula. Allez go. Je crois qu'il va être dégoûté, il va nous dire un truc genre je m'attendais à ce que vous mouriez ou un truc dans le genre. J'y suis presque. Ah, attendez, y'en a là qu'on a vu. Quand il m'en faudra, je sais où. Je sais où venir. Là. Et voilà. 2800 kg. On dirait un bébé, comment elle fait. Ah.
C'est peut-être sa petite sœur en fait. Vous savez les ruines que vous avez vues? Ce serait pas des ruines si Fragile nous l'avait pas faites à l'envers. Les Bridges aussi. Toutes ces histoires de reconstruire le pays. Ça fait qu'énerver les gens. Ma copine sera encore vivante, sans vos conneries. Ah non, ça coûte. Quand les terroristes ont attaqué le relais du sud, elle a été coincée là-bas. Et c'est là qu'elle est morte. À cause de vous. Il se trompe. Elle est dans un abri au sud-est des ruines. Vous permettez que j'intervienne? S'il refuse de sortir, peu importe qui il incendie sur le réseau. Et j'ai l'impression que ça le soulagera plus de s'en prendre à moi. Ah ça oui. Salut Bridges. Fragile dit que ma copine est encore en vie. Et je suis censé la croire sur parole? Après ce qu'elle a fait? Ça, non. Il va falloir me le prouver. Et il n'y a pas 36 façons de le faire. Je vais vous donner quelque chose pour la femme que vous avez trouvée. Si elle dit que c'est à elle, vous me la ramenez ici. Prenez ça aussi. Le sablier. C'est un squelette qui améliore la stabilité et la mobilité. Je l'ai fabriqué. J'avais des pièces qui traînaient, alors j'ai bricolé un truc. Mais que ce soit bien clair, si je vous le donne, c'est uniquement parce que je veux être sûr que vous allez réussir cette livraison. Si ma copine est encore en vie, quand elle verra ce que vous transportez, elle vous demandera de la conduire ici. Soyez réglo avec moi. Je serai réglo avec vous. T'es, j'en étais sûr, on va avoir un exosquelette pour le torse aussi. Ça y est, Sam. La commande est déjà partie. Jetez donc un coup d'œil au terminal. Ah, en plus, ils sont pas si loin que ça l'un de l'autre. Mais dis donc. Le sablier chiral est un objet d'une très grande fragilité. Je vous recommande de transporter ce genre de marchandises à la main. Ok. Ça, c'est un petit cadeau du ferrailleur. Sam, ce squelette actif est conçu pour accroître votre vitesse. Le porter améliore les mouvements musculaires et permet au corps d'aller plus vite. Il est même équipé d'une fonction boost si vous êtes vraiment pressé. Mais elle consommera la batterie aussi vite que vous avalerez les kilomètres. Dire qu'il a fabriqué ça avec des matériaux de récup. Un talent pareil, on devrait pas le gâcher. Ah, d'accord. Non, en fait, rien à voir. D'accord, celui-là, il augmente la vitesse. Tandis que l'autre augmente la capacité de porter. On va l'essayer. Ça coûte rien. Ok. Ok. Donc c'est par là-bas. Fin de l'interdiction des armes. Ah ouais, ça court, hein. Par contre, juste un truc. Je veux voir à combien ma charge. Ah oui, elle est descendue à 155. Ok, bon, ça va. De ma gueule là. Oh putain. Ah
Il est où le paquet? Oh là là! À quel moment j'ai fait tomber? Merde, en fait j'ai compris, il fallait maintenir L2. Et mon souffle il veut pas revenir, c'est normal? Ah. Moins de bruit, moins de bruit. Ouais, ferme ta gueule. Attends, toi calme-toi. Ok, je crois qu'on en est sorti là. Nice. Eh non! Oh, oh putain! Sur la pente en plus. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hein. Allez hop. On va faire tout ça d'une ligne droite, et voilà. Ah mais... On peut aller maintenant. C'est pas grave pour la batterie, on s'en fout. Ah mais c'est un scanner sur le pion du Jeff. Identifiant Fragile Express confirmé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. C'est bête, ils étaient pas loin l'un de l'autre en fait depuis le début. Livraison. Fragile Express? Non. Vous êtes un porteur de chez Bridges, c'est ça? C'est un peu écrit sur mes habits. Pas de paquet. Rassurez-moi, c'est pas dangereux, j'espère. Ah! Ça alors? Je pensais pas revoir ça un jour. Laissez-moi regarder de plus près. Ah, elle a vieilli à cause de la pluie, je crois. Merci. Il y a quelques marques, mais rien d'irrémédiable.
J'arrive toujours pas à croire que je l'ai devant moi. La vieille, la peau. Alors, me voilà connectée au seul et unique réseau chiral. C'est merveilleux. Je suis ravie de faire partie des UCA. Nice. Ah putain, yes. Vous allez repasser, n'est-ce pas? Eh ben, vu que tu me donnes des armes, oui. Ah non, c'est... Ça doit être la mère alors de la fille. Emmenez-moi avec vous. S'il vous plaît. Il faut absolument que je le revoie. Je l'ai fabriqué pour lui, vous savez. Quand les terroristes ont attaqué, j'étais avec ma mère. C'est à peine si on a réussi à s'en sortir en vie. J'ai fait ce que j'ai pu pour le retrouver ensuite. Je vous le jure. Mais je savais pas du tout où je devais chercher. Malgré tout, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Ma mère ne le portait pas dans son cœur. Elle avait d'ailleurs été très claire à ce sujet. Mais je n'aurais jamais cru... qu'elle aurait un jour osé aller jusqu'à me mentir. Alors, quand elle m'a dit qu'il était mort, moi, je l'ai cru. Jusqu'à ce que j'entende ce message. C'était lui. C'était vraiment lui. Je savais que j'aurais pas dû laisser tomber. Au fond de moi, je sentais qu'il était vivant quelque part. Mais je ne pouvais quand même pas abandonner ma mère. Alors j'ai fait de mon mieux pour accepter l'idée. Mais je ne pouvais pas. Même si je le voulais, ce n'était pas possible. J'étais bloquée dans le passé. Incapable d'avancer. Je voudrais le voir. Je vous en supplie. Je suis prête à partir. Tout de suite, si vous voulez. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Elle nous a raconté toute sa vie. Bon, ceci conclut cela. On s'arrête là et ben, on va voir le prochain épisode. Peut-être qu'on va devoir la ramener jusque là-bas, celle-là. Funaise. Bon, allez, à tout à l'heure.